Fin septembre 2012, si j'ai bien su compter, cadeau foireux ou objet prédestiné de ma pote ou mon ex, lequel a eu l'idée. Qu'importe si j'ai trouvé ça cool ou si j'ai mitonné. Tampon approuvé par le chef, mais quel message pourri. Avec un texte différent, on aurait plus ri. Au creux de l'esprit, qu'il fait bon mûrir. Et puis, j'ai vu une nouvelle vie. Alors, c'était parti, je me suis dit. Bonne idée. Il y avait des arômes, du beurre et de la farine. Chaque jour, un nouveau biscuit. Chaque jour, un autre colis. De l'amour, des ruptures et des anniversaires. Des private jokes, baby shower et des mariages aussi. On m'a dit c'est juste un passe-temps à côté de la vraie vie. Juste un passage, un autre hobby parmi tes absurdités. Un site, des ventes, des clients à chercher. Des commandes, apprendre à comprendre une équipe. À manager, je me suis dit. Bonne idée. Et puis Lolo qui débarque en ouvrant grand mon bureau. Et des flots de tableaux Excel. Et tout me semble bien plus pro. Et rien vraiment ne change. Mais tout est différent. Comme l'apéro qu'on boit seul ou en le partageant. Au hasard, le soir était tombé. Avec mon Mac et mon iPhone, j'étais un peu confiné. Tout était si désert, où me réconforter. Alors j'ai ouvert Instagram et je vous ai trouvé. Bonne idée.